interdit de mettre dans les vêtements notre supporter nous voir jouer. Mais je veux laisser clair que pour moi, ça ne fait rien. Ça, parce que c'est aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Mais c'est dommage, c'est pas pour moi, pour les joueurs, c'est peut-être dommage pour la Fédération de la Tunisie qui laisse un match comme ça aller jusqu'au final. On ne peut pas jouer un match avec les gaz lacrymogènes au terrain. On ne peut pas jouer un match dans lequel il y a une bataille à tribune. On ne peut pas jouer et rester content parce qu'on a gagné. Je ne suis pas content. Je suis content pour les résultats, pour rien plus. C'est dommage, c'est horrible. C'est pas comme ça que la Tunisie va monter le niveau de son foot. C'est pas comme ça. C'est à créer les conditions pour que le foot soit meilleur. Un match comme ça doit être terminé, fini, on gagne, on part à la maison tous pour donner l'exemple de comment doit être joué le foot. Même moi, tactiquement, je m'ai perdu. Les joueurs sont perdus. Tout s'est perdu au terrain. Puis notre équipe, ils aussi, du club africain. Même moi, en même temps, j'ai parlé avec quelques joueurs du club africain. Ils m'ont dit, Miguel, c'est horrible. Même pour nous, c'est pas normal. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Une chose, c'est la rivalité. En derby à Portugal, Porto-Vista, Benfica Sporting, il est dur aussi. Mais c'est pas comme ça. C'est trop. C'est trop. Un jour, quelqu'un va mourir. On ne peut pas parler de la Palestine, de la guerre, et après faire une guerre dans les tribunes. On ne peut pas demander le respect pour les personnes qui sont à mourir, et après faire notre bataille aussi. J'ai travaillé en Ukraine, j'ai vu la guerre, j'étais à Donetsk en 2013 quand on a commencé la guerre. Oui, c'est fini, c'est fini, je ne peux pas voir plus. Et je crois qu'on doit comprendre ça, parce qu'un jour, ces personnes vont mourir. Et on ne va pas être content certainement, mais on doit attendre que quelqu'un va mourir ou faire quelque chose. Pardon, moi, je suis très, complètement sous ce que je suis à dire. Je ne suis pas perdu de ma tête. Non, je suis tranquille. Je voulais vraiment dire ça. Parce que c'est important qu'on écoute. On ne peut pas être content de ce qu'on a vu aujourd'hui. Si on gagne, si on perd, on ne peut pas être content. Je suis certain, mon président, qui est quelqu'un de respect, n'est pas content de voir ça. Et j'espère aussi que les personnes du club africain aussi ne sont pas contents de voir ça. Parce que c'est seulement quand les dirigeants, les personnes qui sont à la fédération, ne sont pas contents pour avoir cette chose, on peut faire quelque chose pour le changer. Je ne peux pas avoir mon adjoint, avoir le sang dans la tête. Je ne peux pas moi-même avoir des choses à tomber partout. Je suis à l'étoile, j'ai un sac plein de pièces qui m'ont été frappées pour le terrain. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qu'on doit faire. J'aime beaucoup d'être entre vous. J'aime beaucoup. Le premier jour que je me sens, j'ai déjà dit ça ici beaucoup de fois. J'aime beaucoup d'être entre vous. J'aime beaucoup ce que j'ai vu jusqu'au moment. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai dit à M. Ria dans le ciel, viens, comme ça, peut-être c'est meilleur que je parte parce que je n'ai pas cette éducation. Pardon. Je vous aime beaucoup, mais ce n'est pas ça le foot. Ce n'est pas comme ça qu'on va vendre le foot à l'étranger. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire grandir les jeunes joueurs. Quel exemple on donne aux joueurs qui, partout le pays, sont dans les académies, à se développer son foot, pour jouer comme ça. On voit les joueurs dans une bataille au terrain aussi, parce que tout vient de l'extérieur ou l'intérieur, parce qu'au final, ils sont des amis. Ils vont prendre le café ensemble pour la nuit ou demain. Parce que je sais qu'ils le font, ils sont des amis. Mais ils sont obligés à faire ton jeu de foot une bataille. J'espère, mercredi, de voir ici, regarder la Tunisie jouer. J'espère qu'on est capable de jouer comme équipe nationale un match différent. Parce qu'on va jouer un match comme ça dans un des matchs internationaux, quelque chose de vraiment mauvais va se passer pour l'équipe nationale. Merci.